Sydney, il y a une nouveauté et elle est de taille. Pour le marathon des sables, il y a des contrôles antidopage. C'est désormais un rituel au marathon des sables. De manière aléatoire, les coureurs se rendent au contrôle antidopage, une première cette année. On fait plutôt une première série de prélèvements sanguins sur les athlètes élites. Puis un jour avant le départ, on refait une série d'analyses. L'idée, c'est de voir comment évolue leur état de santé et de voir s'il n'y a pas ou des maladies qui se déclareraient ou des anomalies qu'on ne comprendrait pas qui pourraient être éventuellement du dopage. Ici, avec cette machine-là, c'est un petit analyseur assez solide qu'on peut amener parce qu'on est dans le désert, il fait très chaud, voilà, il y a des conditions assez compliquées et il nous permet de mesurer l'hémoglobine. Donc l'idée, c'est toujours à la fois vérifier la santé en priorité, mais aussi pour l'éthique de la course au niveau antidopage, de s'assurer que les choses se passent bien. Nous, on ne regarde pas les produits qu'ils prennent, éventuellement, on regarde plutôt les variations dans l'organisme. Et ça, quand vous prenez un produit, vous pouvez le cacher. Et il y a, comme vous dites, on peut le prendre 3 semaines avant et on ne va plus trouver de traces. Mais les effets restent dans le corps. Donc nous, ce qu'on regarde plutôt, c'est ces effets. Et ces effets peuvent venir soit d'une maladie. Donc si on élimine la maladie, on dit non, il n'y a pas de maladie, mais il y a toujours ces effets, ben forcément, on va dire que c'est peut-être du dopage. Nous, on ne peut pas statuer réglementairement sur du dopage, mais nous, ce qu'on va dire à l'athlète, c'est on va dire, écoute, ton état de santé, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, pour ne pas prendre de risque pour ta santé, on va te mettre hors compétition. Une mesure qui confirme la place grandissante du marathon des sables parmi les ultra-trail mondiaux. La 4e étape d'ailleurs de l'ultra-trail World Tour. Les concurrents se conforment avec philosophie à cette nouvelle pratique. Au début, on a fait un contrôle antidopage. Donc pour moi, je suis très content et parce que ça laisse que le marathon des sables reste dans les normes. Voilà, donc c'est bien. Today they were checking, they've checked our bags to make sure we've got all the compulsory kit. And then they take a small blood sample to test the hemoglobin levels in your blood to make sure you haven't got too many red blood cells in your blood. And that was all fine. I support natural sports. So no, I'm very happy.